Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la rubrique Que faire à Paris sur le site paris.fr. Alors simplement, vous allez taper dans votre moteur de recherche paris.fr et vous allez cliquer sur Que faire à Paris qui se trouve au-dessus. Alors, je vous propose de découvrir la partie Commencez à regarder près de chez vous. C'est une partie qui est très intéressante. Elle va vous proposer des balades nature, donc une sélection de 20 balades nature que vous pouvez découvrir tout près de chez vous avec des parcs, des jardins. Vous allez aussi avoir plusieurs rubriques, donc enfants, sport, exposition et concerts. Donc on va aller faire ensemble découvrir l'exposition du moment. Et actuellement, nous avons l'exposition Le chat déambule. Donc, le site nous propose de découvrir cette exposition qui se passe sur les Champs-Élysées, donc avec le point de départ du rond-point et de la place de la Concorde. Et vous avez la possibilité ici de télécharger l'application sur votre téléphone pour compléter votre visite. Donc une rubrique avec des thématiques, donc pour garder la forme, vous tombez sur des vidéos pour pratiquer le sport. Vous allez avoir un petit tutoriel avec du sport à la maison. Donc n'hésitez pas à aller consulter le blog avec les cours d'Emanuela Romano, qui est notre prof de sport de gym adapté. Donc nous passons à la rubrique concert. Comme vous le savez, les concerts actuellement n'ont pas lieu, mais le site nous propose de découvrir, donc là par exemple, la médiathèque musicale de Paris. Vous avez la possibilité d'aller sur le site de la médiathèque musicale de Paris, donc tout simplement en tapant directement sur le site et de voir les conditions d'accès à la médiathèque. Et pour finir, je vous propose de découvrir. Donc la bibliothèque de Paris vous propose d'écouter des livres. Donc ils vous ont fait une sélection de 10 livres audio que vous pouvez télécharger. Donc cette rubrique répertorie des sites qui vous permettent de télécharger des livres gratuitement. Donc on va le faire ensemble. Par exemple le projet Gutenberg qui va offrir 54 000 livres à disposition en accès libre. Donc voilà quelques titres de livres qui apparaissent. Vous avez aussi un moteur de recherche qui vous permet de préciser votre demande. Là, par exemple, si je vais sur une fleur japonaise, je vais pouvoir lire ce livre en français avec la page de couverture. Commencer à lire le livre. Alors, la rubrique Que faire à Paris vous propose aussi de découvrir des lieux les plus étonnants de la capitale. Ce qui va vous permettre de découvrir des lieux, des quartiers, des rues proches de chez vous. Ce sont des petites idées de sortie qui peuvent vous permettre voilà, de découvrir ou redécouvrir finalement ces rues. J'espère que ce petit tuto vous a plu, en espérant vous revoir pour de nouvelles propositions. À très bientôt.